J'espère que vous allez bien, mais surtout, bonne année 2022. Je vous souhaite que cette année vous soit bonne et plein de beaux moments, pareil comme 2021 nous a apporté. Donc, que tous vos souhaits, vos désirs se réalisent, puis vos résolutions soient respectées. Dans le cas, ça a été assez tranquille, là, vous savez, avec le reconfinement, là, le couvre-feu, tous les cas qui se passent présentement. J'ai pas envie d'en parler trop, mais ça a fait en sorte qu'on a pris ça plus tranquille et ça nous a fait vraiment le plus grand bien. Moi, j'ai pris aussi du temps pour décrocher un peu des réseaux sociaux, pas tout à fait 100% Instagram, mais pour ce qui est de YouTube, là, je n'ai même pas complété en fait le Vlogmas. J'ai arrêté au Vlogmas jour 22, vous savez, avec l'événement qui est arrivé. La perte de mon père au mois de décembre, j'ai ressenti ce besoin-là de vraiment comme aller me reconnecter avec ma famille, avec moi-même, puis prendre du temps pour moi. Donc, vous avez plusieurs à comprendre, puis je me justifie pas, mais je faisais juste expliquer la raison. Puis là, ben, je suis prête à revenir en force là, pour cette année 2022, vous présenter plein de beaux contenus, et on a vraiment des choses excitantes qui sont à venir, dont une nouvelle popoune aussi qui va s'ajouter à nous. Donc, on va vivre cette année-là très bientôt, à 4. Sinon, pour ce qui est de Will, gros changement aussi pour lui, je vais pas spoil rien avant que lui le fasse. Toutefois, je vous invite, si vous avez envie, d'aller jeter un coup d'œil sur la nouveauté qui s'est amenée chez lui pour cette nouvelle année. Son post Instagram là, qui explique un peu plus en détail. Par contre, il vous parle pas encore de son nouveau projet. Ça sera à lui, mais ça sera pas tout de suite. Ouais, bon. J'en ai une qui est très colleuse, oui. Mais je trouve important de mentionner parce que c'est quelque chose qui va quand même occuper beaucoup là, cette année. Puis il y a également aussi le 6e Club, là, pour ceux qui ne connaissent pas le club de course que Will avait parti. Une belle communauté de coureurs qui prônent le bien-être avant la performance. Donc tous les coureurs y ont accès. Si vous n'avez pas encore jeté un coup d'œil, si vous aimez courir, vous levez tôt, je vous invite à aller voir leur page Instagram là, que je vais laisser dans la description. Il y a vraiment des belles nouveautés qui sont à venir pour 2022 pour ce club de course-là. Donc moi, c'est sûr que j'aimerais ça m'y remettre cet été. L'autre, l'été d'avant, ben, j'étais vraiment enceinte en premier trimestre. Donc j'avais pas du tout l'énergie pour courir, ni même que c'est pas recommandé, surtout quand t'es pas une grande coureuse à la base. Donc on avait remis ça à l'année prochaine avec nos poupounes puis notre poussette tout lait qu'on s'était procuré justement pour la course. Sinon, je me fais souvent demander si j'ai l'intention de retourner agent de bord. Je vous le dis une fois pour tout, ça va être la dernière fois, je pense que je vais le dire, mais non, je ne retourne pas agent de bord. Je me concentre vraiment sur la création de contenu
et à élever mes poupounes. Donc, j'ai des projets par-ci par-là, puis on verra qu'est-ce qu'on build alentour de ça. Mais pour le moment, je me concentre sur les petits bébés. J'en ai une qui est à venir. Je prends pas de congé de maternité officiel. Je vais continuer à faire la création de contenu. Mais voilà, c'est ça. Je retournerai pas voler pour plusieurs raisons. Mais c'est ça. J'ai adoré ma carrière. Puis c'est sûr que des fois, d'y repenser, ça fait des petits pincements. Mais je veux dire, c'est un nouveau chapitre de ma vie qui. Que j'entends, puis un tout aussi beau avec des souvenirs à créer là, pour le futur. Sinon, il y a eu un gros changement là, dans la vie à Clara. On a enlevé sa bassinette officiellement pour la faire dormir dans une ligue de grandes filles. Donc, je vais vous montrer un peu plus tard dans la journée là, notre setup qu'on s'est fait. Mais dans le fond, on a pris le lit queen, le matelas queen de la chambre d'invité et on l'a mis par terre dans la chambre à Clara. C'est sûr qu'on a, dans l'éventualité d'acheter une base de lit, Clara est capable de sortir du lit facilement et de remonter si elle veut. Donc, on trouvait ça comme important justement avant l'arrivée de bébé 2 qu'elle fasse la transition. Il n'y a vraiment pas de rush, il y a des gens qui font ça vraiment plus tard. Je pense que tu te connais en tant que parent, puis tu connais ton enfant, puis tu sais quand est-ce que sont les signaux qui sont prêts. Clara n'a jamais été fan de sa bassinette. Elle ne faisait vraiment pas des belles nuits. Elle dormait super bien dans des lits de grands, dans des grands matelas où est-ce qu'il y a de l'espace, puis tout. Donc on s'est dit, on va essayer. Puis honnêtement, ça a été comme le jour et la nuit. Elle nous a fait vraiment des belles nuits. C'est sûr que là, il y a des fois où c'est plus difficile, sauf que l'avantage que ça a, c'est que nous, on peut aller la rejoindre dans le lit et on commence à la désensibiliser tranquillement là, à dormir dans notre chambre pour faire place à Ellie qui va faire cododo avec nous pour les premiers mois. Donc, c'est sûr, on a hâte de voir là, comment ça va se passer avec l'arrivée du deuxième bébé. Clara va avoir 18 mois, je sais qu'il y a une régression de sommeil qui arrive à 18 mois. Donc, on essaye de se préparer du mieux qu'on peut, mais c'est sûr, dans le fond, c'est elle qui lead, puis nous autres, on va faire comme on peut. On se met jamais vraiment pression avec ça, c'est juste que on avait envie d'essayer puis tout, puis honnêtement, jusqu'à présent, ça se passe bien. On s'interchange vraiment bien, tout ça. Clara fait des belles siestes aussi dans son lit, parfois jusqu'à 2 heures. Avant, c'était des siestes top chrono de genre 30 minutes. Fait que là, tu sais, c'est comme moi, quand elle dort, ça me laisse du temps pour moi. Donc, c'est ça. Donc, une panoplie là, de conseils que vous trouvez en ligne. Je suis vraiment pas experte en la matière, puis honnêtement, on fait ce qui est bon. Nous semble, et on suit vraiment le rythme de Clara pour le moment. Sa chambre, tu sais, on l'a laissé neutre, on a quand même gardé ses petits coins, genre lecture puis tout ça. Elle est vraiment pas portée à sortir de son lit. Elle est encore petite, là, elle a juste 16 mois, donc je pense qu'elle est pas vraiment consciente qu'elle a la liberté de le faire. Mais c'est ça. Je veux dire, quand on va avoir sa liberté, ben ça sera pas nouveau que là, tout d'un coup, elle a accès à ses trucs. Elle a accès à rien qui est dangereux en soi non plus, là. C'est juste que, ouh! Mais moi, je me souviens, la première nuit, là, je capotais, là, j'étais comme, ok, genre, à chaque petit bruit, je regardais le moniteur, j'étais comme, j'avais juste peur, on a mis une barrière dans sa porte de chambre, là, tu sais, fait qu'il y a comme pas de danger, c'est juste que, c'est ça, ça me faisait quand même un petit peu peur, parce que on a des escaliers, même si Clara a carte de descendre les escaliers, je voulais comme pas qu'elle aille, mais là, honnêtement, il y a pas de chance qu'elle aille, parce que on ferme la porte et la clôture, fait que... Premièrement, elle n'a pas qu'à ouvrir la porte ni la clôture, donc il n'y a pas de danger là-dessus. Puis dès qu'elle se réveille, le moniteur nous avertit. Alors, c'est pas mal ce qu'il y en a là, pour le petit update là, des dernières semaines. C'est sûr que j'oublie plein de petits détails. Si vous me suivez activement sur Instagram, vous avez probablement vu aussi plein de choses. Si vous ne le faites pas, d'ailleurs, je vous invite à le faire. Je mets vraiment beaucoup, beaucoup plus de contenu parfois quotidien. Là. C'est sûr que vlog, là, je vais filtrer selon les journées que je filme. Clara? Non? À terre! À terre! Clara me défie énormément ce temps-ci. Je crois que ça ne fait que commencer. Ouais. Alors, c'est ça. Donc, je vous parlais de ma page Instagram, mais c'est ça. Je mets vraiment des trucs que sur une base quotidienne. Donc, voilà. Puis souvent, j'ai des beaux concours. Puis je partage aussi des Q&A. Je réponds majoritairement beaucoup à des questions parfois. J'essaie vraiment d'être aussi assidue là, dans mes messages privés, mes DM, quand vous m'écrivez. Je m'excuse profondément là, quand je vous réponds pas. C'est vraiment pas parce que j'ai pas d'intérêt à vos questions ou ce que vous m'écrivez. Parfois, je vous lis et je n'ai vraiment pas le temps de vous répondre. Puis, tu sais, je m'enfle pas la tête. Là. Ça prend pas grand-chose. Des fois, il faudrait que je prenne une heure de ma journée pour répondre à tout le monde, ce qui est énorme. Ah, oui? Non? Alors, c'est ça. Donc, là, je finissais mon café. Je vais attendre un petit peu digérer le déjeuner que je me suis fait ce matin, qui était très bon, gruau, là. Je suis comme partie là-dessus, là.
Je faisais ça beaucoup. Je me souviens à Saint-Sylvain l'année passée. Ça, c'est quelque chose que j'aime manger l'hiver plus que l'été. Fait que c'est ça. Puis je vais faire un petit entraînement. Puis je vous amène avec moi dans ma journée quotidienne. Je sais que c'est extrêmement demandé souvent qu'est-ce que je fais de mes journées. Hier, ça a été une journée comme ménage, lavage, tout. Donc on va s'épargner ça aujourd'hui. Puis vraiment juste y ancrer dans les petits trucs, le petit train-train du quotidien. Il est déjà 9h. Honnêtement, ça passe vite. Clara se lève quand même tard. Tard. Je veux dire, j'ai pas un bébé qui se lève à 5h30 pour l'instant. Elle se lève à genre 7h, 7h30, même parfois 8h. Donc, j'en profite pas pour me lever plus tôt, faire des trucs. J'en profite pour dormir, me reposer le plus possible avant l'arrivée de bébé 2. Alors, c'est ce qu'il y en a. Donc, je vous amène avec moi, puis je vous montre quelques petites affaires là, de cette journée. Je voulais prendre un petit moment pour vous montrer ce que j'avais reçu de Les Belles Choses. Ce sont en fait des créations florales. Elle a des créations là, de fleurs séchées. Sinon, elle fait aussi, vous pouvez avoir un abonnement pour des fleurs fraîches, locales et durables. Donc, elle a fait ça dans le fond pour Éléonore. C'est tellement beau, j'adore. Puis, un petit bouquet comme ça là, pour Clara. Donc, on montait en haut justement à l'instant. Je vais en profiter pour rester dans sa chambre. Donc, je vais aller habiller Clara pour la journée. Puis, je vais vous montrer sa chambre en même temps. Vas-y, Lulu. Donc, comme je disais tantôt, on a installé une barrière dans sa porte juste pour être sûr là, la nuit qu'elle en sort pas. Ce qui est fun de ces barrières-là, c'est qu'ils se ferment automatiques. C'est de la marque Safety First. C'est la même marque que ceux qu'on a en bas. Par contre, les autres, comme ils sont un peu plus longs, c'est vraiment pas sûr pour dans les cadres de porte. Ils se ferment pas automatiques. On oublie rarement les fermer. Donc, c'est ça, quand on rentre, là, si vous vous souvenez bien, la bassinette à Clara était ici. Donc, on a installé là, le matelas queen de la chambre d'invité. Puis, comme je disais, on va probablement installer une base de lit pour que le matelas, premièrement, puisse respirer aussi. Mais c'est pas très haute, là, juste pour dire. Donc, c'est vraiment parfait. Honnêtement, on peut venir se coucher. Il est super confortable, le lit. Puis, on a laissé, dans le fond, accès à ses livres. Là-dedans, il n'y a vraiment rien, vraiment, qu'elle peut avoir accès. Puis ça, c'est juste des toutous. Donc, c'est pas mal tout. Et puis, sinon, ben là, Clara a la grande passion livre. On lui a laissé ça aussi également. Comme on dit, elle se lève pas encore la nuit, mais si jamais on sent qu'elle commence à aller faire des niaiseries dans sa chambre, on va lui enlever tout. Puis, ben là, ici, ça n'a rien changé. Là, c'est encore sa chambre habituelle. Ça, c'est moi, très enceinte. Et c'est ça, dans le fond, vous avez probablement vu un avant-goût dans la chambre à Éléonore. Par contre, je vais pas vous la montrer aujourd'hui, là, je vais faire une autre vidéo là, par rapport à ça. Donc, mais on est vraiment excités, j'essaie vraiment de faire quelque chose de différent de la chambre à Clara. Juste, c'est ça, pour les différencier un peu. Donc, bon. Moi, je range toujours les livres à Clara, puis elle les ressort un par un, à les feuilles. Puis elle a pas encore appris à aller les ranger, même si je lui apprends. À un moment donné, elle va finir par comprendre, mais pas tout de suite. Alors c'est ça, je suis quand même essoufflée, honnêtement. Peut-être que ça paraît pas sur vidéo quand je vous parle, mais je trouve ça extrêmement difficile, la fin de grossesse, même que c'est pas tant la fin, là. Il reste quand même 7 semaines. Mais je me souviens qu'à l'heure, ça faisait la même chose. Pourtant, je fais pas d'anémie, rien, c'est juste que j'ai extrêmement la pression basse. Puis, c'est ça, elle comprime tellement sur mes poumons que je la porte super haute, là, by the way. Moi, mes bébés, je les porte tout le temps très en avant et très haut. Alors, c'est ça, elle comprime tellement sur mes poumons, on dirait que faudrait que je la pousse vers le bas pour respirer. Alors, c'est comme les maux grossesse vraiment désagréables du troisième trimestre. Fait que c'est ça, alors j'essaie de m'écouter quand je sens que vraiment je suis trop essoufflée puis que je vois des petites étoiles, là, je m'assois. Mais comme je vous dis, c'est comme, j'ai l'impression de vivre la même grossesse que Clara, genre c'est identique. Ok, je vais habiller Clara, on va retourner en bas, j'ai un peu de travail à faire avant de faire un petit entraînement. Puis par le temps que je finis cet entraînement, puis qu'on relaxe puis tout, je vais prendre une petite douche également pour me rincer, puis ça va être déjà l'heure du dîner. Felt I'm done with the defense. Throw back and climbed over your fence. Had to show you that I was a mess. So you were shrugging your shoulders. Some closed off, that's what I told you. Soon enough, everything started to change. 'Cause there's no going back, no going back. There's no going back to your old life. Not living in the past. I'm feeling it tonight, riding on the dizzying heights.
nothing could stop us. Sunsets, remember the colors, they were wrong. Donc Clara est officiellement couchée pour son dodo, donc j'ai un petit heure et demie, deux heures devant moi pour reprendre du travail, certaines affaires que j'ai à faire sur l'ordinateur. Sinon j'ai pris une douche aussi là, pour me rincer puis tout. J'ai comme pas pris la peine à replacer mes cheveux, mais bon, bref, aujourd'hui, c'est une journée comme ça. Franchement, on sortira pas de la maison, même s'il fait super soleil, il fait extrêmement froid aujourd'hui. Puis, ben c'est ça, ça a donné juste comme pas vraiment à l'horaire. Des journées comme ça, je dirais qu'en temps normal, j'essaie de sortir à tous les jours. Mais une journée comme aujourd'hui, là, ça ne donnera pas. C'est sûr que là, j'anticipe déjà les questions par rapport au fait qu'on a comme transféré Clara dans son lit de grande fille. Là, vous m'avez lu lire une histoire avec elle. C'est sûr qu'elle nécessite encore notre présence pour s'endormir. Ça prend jamais vraiment plus que 30 minutes. Dans 30 minutes, on fait une activité là, de détente, lecture, etc. Là, donc, c'est ça, je le rends en compte. Puis, elle finit par s'endormir, puis là, on quitte. Le soir, c'est la même chose. C'est la façon qu'on a trouvé. Clara, ça n'a pas vraiment encore d'endormissement autonome. À un moment donné, quand elle est fatiguée, elle vient vraiment se coucher à côté de nous, puis elle se ferme les yeux, puis elle s'endort, tu sais. Juste que je pense que ça la rassure qu'on soit là. Mais bon, bref, nous, c'est notre solution, et ça nous convient parfaitement. Il n'y a pas de problème avec ça. Ça lui arrive encore de se réveiller la nuit, mais comme je disais précédemment, là, au moins, c'est vraiment dans sa chambre là, que ça se passe. Donc c'est ça, donc je vais prendre au moins une heure là, de travail là, pour être efficace. Et puis j'ai des petites affaires dans la maison à faire ensuite. Et il y a quelques items à l'épicerie qu'on a oublié d'acheter. Je sais pas si je vais y aller ou c'est Will qui va y aller. Mais rendu là, ça reste à déterminer. Fait que, je vais me mettre au travail avant que la petite se réveille parce que les siestes passent extrêmement vite. On est un peu plus tard là, dans la journée, il est 4h45. Clara se réveille de sa sieste il y a environ 1h, il était 3h45, donc c'était vraiment un beau dodo. Mon amour, Vita! Vita! Donc on a pris ce temps-là pour jouer. Moi j'ai vraiment pu avancer ce que je voulais faire aujourd'hui, donc je suis super contente. T'as fait un beau dodo, hein? Et là j'étais au moment où j'allais déterminer ce qu'on allait souper. Oui, tu veux une collation, ça sera pas long. Mon Dieu, je suis vraiment fatiguée. C'est le cas aujourd'hui, je suis extrêmement fatiguée. J'ai comme fait quand même du travail, beaucoup d'ordinateur. Fait qu'on dirait que ça me fatigue encore plus dans ce temps-là. Puis le fait de comme pas sortir prendre l'air, puis on dirait que j'ai eu froid toute la journée. En tout cas, c'est mon petit moment pour chialer. Mais c'est ça, alors je vais faire une recette de cas pour Catherine. C'est son tofu... sauté au tofu et aux arachides. Mon Dieu, j'ai de la misère à dire. On a vraiment tout là pour faire ça. Puis c'est ça, ça va faire bien un peu de... Ça va être comme un souper qui va être très réconfortant. Alors, je vais vous montrer une photo du résultat final. Ça a l'air de ça ici. J'ai aucune idée de quoi ça a l'air. Mais c'est ça, dans le fond, la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que je ne filmerai pas la préparation du souper. Si jamais vous avez envie là, de suivre la recette, je vais vous la laisser dans la description. Mais je vais vraiment prendre le reste de la soirée là, un peu plus tranquille avec ma petite famille. Will qui revient du bureau là, sous peu. Bon, Clara fouille dans le garde-manger. C'est vraiment... Son passe-temps fou, elle a je sais pas combien de jouets et c'est la bouteille d'huile de sésame qu'elle veut. Mais c'est ça. Alors, encore une fois, bonne année 2022. Des beaux vidéos à venir. Honnêtement, on ne sait pas ce que cette année nous réserve à personne. Mais c'est sûr qu'il va y avoir des belles choses. Là. Donc voilà, je suis très heureuse de vous documenter ça. De vous avoir avec moi encore une fois pour une autre année. Puis sur ce, ben je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye! There's no going back, no going back, there's no going back to your own.